Alors par contre le truc hors excavation, oh putain, alors il y a l'ancestral infuseur, une bouteille de japonais ancestral. Oh attends, ce serait pas les judokas qui lâchent des particules rouges et si tu vas avec une bouteille, tu cliques droit dessus, tu obtiens ça? Est-ce qu'il te reste deux d'obsidienne? Oui. Eh ben, envoie. Puisqu'on en a, on a une qui est fondue dans la fonderie, on le fait écouler en bloc. Ok. Bah, mais je vais retourner en miner du coup, hein, je Mais pense. comme ça, je pourrais faire moi-même le minage. Ah bon bah parfait, ouais, bah c'est bien. Ça m'arrange. Ouais, Dougs dans le four, ça fait du pain, c'est pas une baguette. Dougs. Hey, Dougs. Mais du Dougs! Doug, à T'écoutes quoi? Doug. J'écoute du Dougs. J'écoute du Dougs, ça ouate dans les oreilles. Tiens, la Nézorak, Tommy. Oh Oh les là! Nézorak, t'es Oh, oh, où? oh, oh, Oh. je parlais juste de Nézorak, me tapez pas! Tiens. Je suis pour rien, Gigic Junior. Il nous appelle. T'imagines, on met bébé Gigi au vocodeur. Oh, tu veux taper tête, Tommy, c'est ça? Oh le bruit! C'est quoi ce bordel? Bah c'est parce que je mets de la Nézorak à... Oh, c'est limite malaisant. Ouais. Attends, je vais avoir le malaise. Ouah, c'est dangereux! Ah C'est quoi ouais. ça? Tu broies des ghasts. What? T'as pas continué One Block? C'est quoi ça, One Block? C'est Volume Block, non? Sound muffler, loud noise, ready. Ok, vas-y, attends. On fait un sound muffler. On va le faire tout de suite là parce que ça. Il y en a plusieurs. J'ai pire. Orange Die Powder. Bah, y a celui-là qui vient de Cyclic. Et là, Proofed. Super sound muffler. C'est 4 laines et un Weedwood Jukebox. Avec une Valonite Shard et du Weedwood Plan. Quoi? Oh putain! C'est du bon. Mais alors, non, moi ce que je comprends pas surtout, c'est pourquoi tu as mis ça là? Parce que les copyrics donnent de la lave? Et voilà. Hein? Et là, non, comme ça, tu vois, là, il crée un. Mais ça, c'était pour te tester. J'avais une pousse, je me suis dit, je vais la poser, puis ça fait ça, c'est joli. Alors, les copiqueries, si tu les cuis, ça fait de la hache. Ça remplace des choses. C'est moi où il a vidé toute la réserve. Et le Hellfire Forge, tu veux qu'on le fasse aussi ou pas du tout? Oui, si, 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 Ok, ouais. si. On fait la Hellfire Forge. Ça fait depuis très longtemps qu'on aurait dû la faire d'ailleurs. La Hellfire Forge. Alors, elle est assez simple à faire, je crois. Ouais, tu peux la faire? Ouais, je vais essayer de la faire. C'est Ouais. du tin, c'est du bronze, c'est un bloc de copper, c'est 4 stone. Tranquille, easy game. Moi, je fais le Thermafire. Le bloc qui va leur faire fermer leur gueule. Quoi, c'est vrai. Et 4 Vrai. laines. Attends, c'est quoi du tin? On n'a pas de laine? Tin God. Oh, si, on a les moutons. Oui, on a des moutons, mais... Ah oui, c'est vrai qu'on a des pelotes. Les pelotes. Ce sont des pelotes. Excavation modifier, c'est un craft d'après une vidéo. Ouais, mais je sais pas où est-ce qu'il faut que... Ouais. C'est bon, j'ai le. C'est le petit Ça, cri. c'est que je me mute. C'est que je me mute, après, ça se met à pleurer. J'essaie d'imiter Bébé Gigic, mais j'ai du mal. Merci, bravo, merci, vous êtes un Je vous en brave. prie. Vous êtes très brave. Je vous en prie. Alors, tu veux faire un truc, Tommy? Parce qu'au pire. Non, non. Vas-y, si, dis-moi. Alors, je crois que la Hellfire Forge, elle a besoin d'être alimentée par du feu. Ah non, elle a pas besoin, elle fonctionne toute seule. Non, non, elle a pas besoin. Par contre, il va nous falloir donc ce qu'on appelle des tartariques, tout ça. Pour ce faire, pour le pretty, il nous faut de la cendre, un lingot de bronze, un shadow fragment et une blue dye powder. Et ensuite, il va nous falloir de Demonic Wheel. Et pour faire du Demonic Wheel, il va nous falloir. Tu sais, les petits trucs que tu jettes aux mobs. Ah, le Excavate Modifier. Oui. Il faut de la cire morite. Il faut de la octine. Il faut du modularium. Ouais, tu vas me parler meilleur. Comment on fait du modularium? Ah. Molten Iron, Molten Redstone, Molten Aluminium. Ok. Oh, on va faire ça aussi. Mais plus tard. Attends, je suis trop de trucs en même temps. Je sais plus quoi faire. Rien, trop de trucs. On va faire un stack de laine, hein, pas casser les couilles. Hein. Hop. Hop. Ah non, ça fait que 16. Oh, nul. Trop chiant de faire de la laine. Oh. Wow. Top l'agression. Voilà. Et du coup, avec ça, on fait le thermafleur.
Bam. Et l'achievement est là. Time my flare. Time my flare. Et là, regarde. Tu entends les bruits de gaz, là? Ouais. Ça souffre, hein. Oh. Fais bien. Bah voilà. Parfait. On peut augmenter le range. 256. Donc là, on entend absolument... Rien. Plus rien. Tu on vois est, on est sourd. Les coffres, les trucs... Oui, pardon. J'assourdis tout le monde. Excusez-moi. Ça sert à rien. De quoi ça sert à rien? Bah, viens voir Gisèle. Je suis dans la déception. Mais parce qu'il faut un alloy tank. Et maintenant, on va jeter ça et on va faire de la Hellfire Durst. Hellfire! Alors, du coup, il faut qu'on. Faut qu'on le. Battle Breaker! Normalement, tu fais ça. C'est bien quand même, hein, ce. Oh! C'est quoi ça? Mais ça va super vite en fait! Ben. Oui, c'est nickel! Ah oui, d'accord, bon, ça va beaucoup plus vite que ce que je pensais. Alors maintenant, t'en mets 8, t'as un lingot de Concentrate Hellfire. Mais le Concentrate Hellfire, il sert à faire de l'Ibachi. L'Ibachi Panzani. Oh, sous le forgé de Steel Anvil. Waouh! Voilà, ah, la Refine Match Pick. Oh, puis elle fait du niveau cobalt en minage. Waouh! Waouh! Waouh, tabernac! Attends. Utiliser le filtre Red Hopper pour collecter de la Hellfire Dust et remplir des Soul Urnes. D'accord, mais comment on fait une Soul Urne? Comment t'es. Voilà. Au secours. Urne. Stocked Kiln. Unfired Urne. Unfired Vase. Unfired Planter. Unfired Crucible. Oh. Ça part de la clé. D'accord. J'ai l'impression d'être un ça détective dans clé. Ce modpack. Nous allons chercher la clé. Le commencement est la clé. Pff, pas mal. J'aime pas bien. Mal, hein. C'est hey, franchement, elle est bien. Elle est pas mal. Elle est master. C'est pour toi, je te la donne. Ouais, moi, je la prends, Thierry. Je prends la main. On verra. Alors, du coup, alors attends, parce que ça va être marrant là au niveau des vases, parce que du coup, on a une transformation d'absolument 15 km et demi en mode première transformation. Que de la clé, il nous en fallait combien? Non! Ah oui, parce qu'on a débloqué des nouveaux crafts maintenant, parce qu'avant on faisait qu'un seul truc. C'est pour ça qu'il faut ralentir la machine maintenant. Je comprenais pas à quoi servaient les machines. Et parce qu'en fait on a débloqué plusieurs trucs. Je me suis fait troller par la machine. Elle m'a fait, t'as ce vase. Bon alors, tu fais quoi? Tant pis, je l'ai transformé en clé. Bisous. Voilà. Alors, ensuite, une fois que c'est fait, là, la turntable, et ça, c'est l'épreuve finale. L'Unfired Urn, et tu dois la mettre dans un Stocked Kiln. Ah, c'est ça, Better with Addon. Ok, c'est bon, on a des manuels. Manuel. Me llamo Manuel Valls. Pardon. Kiln. Ah! Demain, on apprend le B. Ah, c'est bon, je les ai trouvés. Il est chiant, leur manuel. False. Oh, les jeunes braves. Manuel Valls. Ah, ok, donc il faut le Ibachi Panzani. Parce qu'en fait, il l'explique là dans leur truc, c'est le Ibachi. Ibachi Panzani. Ok, donc lui, il faut to have a stocked fire. Ah oui, voilà. Donc Ibachi est plus loin. Il en faut 8 dans un cauldron. Pour obtenir un lingot. Et il m'en faut 3 pour un Ibachi. Donc 8 x 3. 24. Donc. 24. 24. 24. C'est. Tu as un cauldron? Alors attends, parce que comme on a plusieurs cauldrons, je vais en mettre dans plusieurs, comme ça ira plus vite. Hop. 2. 3. L'Ibachi a besoin d'un Heating Element. Est-ce que tu peux me faire ça, Tommy? Alors, il faut quoi? Une ficelle, une redstone, une blaze powder.
C'est tout. Ficelle, redstone. Ok. Ah, c'est dans un cauldron. Ah. Ah ouais. Oh, les crafts. C'est trop bien, hein. Mais putain, les crafts. Ah, les crafts sont relous, ouais. C'est. Mais après, c'est cool, hein, parce que ça donne de. Ça permet au jeu de. Au truc de durer, quoi. Oui, oui. Bah oui. Ah ouais, ouais. Ah bah, bien sûr. Du coup, il faut qu'on fasse de la brique. Tu peux faire de la brique? Ouais. Ouvert ma tombe. Voilà. Et donc le Hibachi en soit 1, 2, 3, 4. Il en faut 4, ouais. Le premier bloc doit être au-dessus d'une source valide de chaleur. Fire ou Stocked Fire. Le premier bloc doit avoir un bloc d'air directement au-dessus de lui. Et les autres, les trois autres doivent être autour. Redstone signal. Only flame on the image are strong to be stocked below. Voilà. Parce que ces trucs-là, pour l'instant, ils nous servent plus du tout. Hein. Ils servent à plus rien du tout. Les melters, ouais, non, on peut les tège. Hein. On non, peut les virer. Ouais. Ouais, au pire, non, en fait, on tège. Les cirés de tank, on les met dans la fonderie. Ok. Et on va placer le kiln ici. Alors, par contre, j'ai peur de me cramer après en faisant ça, mais. Ah, j'ai entendu un bruit. My ass is on fire! Pas mal. Voilà. Et donc, avec ça, normalement. Juste avec ça. On te propose de le poser. Et non le jeter. Ah! Ah oui, là, ça va cuire là. Je sais pas, mais normalement on a fait tout correctement. Ouais, ça devrait le faire là. Te faut le souffler pour faire la flamme des flammes bleues. Ah bon? Mais c'est pas mentionné. Comment ça il faut en souffler? Est-ce qu'on a besoin des flammes bleues? Ça marche pas. Attends. Et tu fais pas des flammes bleues, Tommy? Ah pardon. Ah c'est dans les quêtes? Bello, craft mechanical power Bello to stock your better with mod Hibachi Fire. Ah bah oui, d'accord. Bah voilà, en fait, oui, il faut suivre les quêtes, tout simplement. D'accord, merci beaucoup. Oula, je suis en train de me digérer de l'intérieur. Dans mon ventre, ça a fait... Non, j'arrête pas de faire des petits roues de gorge. T'as un zombie à l'intérieur. Ah, j'ai gargouillé, mais genre, c'était fort, là. Mon ventre qui était en mode, j'ai faim, Jafar. J'ai faim. Ah ouais putain, il faut du cuir, du wet tanned. Oh lolololol. Oh, cool. Il est où hein? Exactement. Et en même temps, c'est un peu le bruit de mon ventre en fait. J'ai franchi Benes, j'étais en mode franchement c'est ça. Bah, le bois, la wooden gear c'est bon. Je vais m'occuper de la glu au pire déjà. Il y a tellement d'étapes à faire. Je t'en amène. C'est vrai que je vais me faire des bottes, on va se faire des bottes caoutchouc après. On va rebondir de partout. Ah mais non, on va plutôt glisser en fait avec les bottes en caoutchouc si on ouais, en a. On va rebondir, ça va être trop bien, on va pouvoir... Du coup, les bottes, va falloir les bannir quand ils arrivent. Très technique. Et tu sais, ce que j'aime bien, c'est qu'à chaque fois j'essaie de m'attendre où est-ce que ça va tomber et bah, à chaque fois je m'y attends pas, tu vois. Y a, en fait, le truc, ce qui est bien, c'est que si jamais ça m'a pas fait rire, au moins j'ai essayé de chercher d'où allait tomber la chute. On ne s'y attend jamais, vraiment. Au moment où on va faire un soufflet au fromage. Pas du tout. On fait un... Oula, il y a eu du bug. Ok. Le vache. Alors, bon, parce que nous, on a fait un trou dans le mur, et en fait, au final, ça se trouve, c'est pour aucune raison. C'est ça, en fait, si j'ai bien compris, hein. On a l'impression qu'il y a eu la guerre, genre il y a un missile qui a explosé tout ici. Alors le soufflet. Là. Et tac, t'as vu, ça marche pas. Et là, il faut peut-être l'activer ou faire quelque chose. Ah, c'est pas activé de base. Faut de la rotation. Non. Apparemment. Ça veut dire qu'il va falloir le mettre dans la clutch box là ? Oh, j'ai envie de crever. Non. Ah, bah du coup, on peut reboucher le mur. Je sais pas si quelqu'un avait les briques qui rebouchent le mur, mais... Non, attends, je vais regarder si je les ai. Je les ai pas, moi. Je les ai pas. Je les ai pas non plus. Pourquoi je les ai pas? Je les ai... Il a détruit le mur, Tommy. C'est moi. Non, c'est moi. Elles ont découpé? Ah non, je les ai rangées, je pense. D'accord, je viens de mettre une bûche. Tout va bien.
Ça souffle. Quand ils disent un signal de redstone, mais en fait, moi, j'étais pas sûr. Quand ils m'ont dit redstone signal, j'étais en mode, ouais, mais... Mais en fait, ce que tu veux dire, c'est quand tu fais ça, ça peut l'activer, le truc. Bah, je peux faire une cloque. C'est exactement l'heure où il faut faire de la redstone. Je pense que là, il n'y avait pas meilleur moment, hein. T'as une cloque toute faite en craft. Ah ouais? Ah bah la redstone clock de cyclic sur redstone alloy. Timewood clock. Et le redstone alloy, c'est le redstone, de la glowstone et du constantant. Et le constantant lui-même est un alloy de copper et de nickel. Donc il va se faire foutre. Je fais ça la prochaine fois. On a vraiment tout, mais j'ai plus le temps parce que demain je prends le train, donc du coup non. Non. Merci à tous d'avoir regardé en tout cas cet épisode. C'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à soutenir comme d'habitude les lives tous les soirs 21h, 22h. Évidemment, on termine vers 2h du matin. Je vous remercie encore pour votre giga soutien qui sort à chaque fois de nulle part. À chaque fois, on va être OK. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous suis éternellement reconnaissant comme toujours. Je vous le dis. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée, une très bonne nuit. Et on se dit à ce prochain pour de nouvelles aventures d'action, de fun, de fail et de folie. Au revoir tout le monde. Adieu. Ciao, bye bye.